Youssef est un miraculé. Ses amis l'appellent d'ailleurs l'immortel. En août 2021, il a été victime d'une attaque à la Kalachnikov. Je suis reçu une balle de Kalachnikov ici. Bon, elle n'est pas rentrée, j'ai eu de la chance, tu vois. Mais voilà, il pouvait me péter la colonne vertébrale, je pouvais rester handicapé, tu vois. Youssef a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants. Il sait qu'il a des ennemis. Malgré tout, ce soir du 11 août 2021, il décide de sortir pour faire la fête. Parce que je suis sorti, mais avec une boule d'angoisse de chez moi. Et je vois une moto un peu bizarre, tu sais, qui bizarre, que j'ai jamais vue dans ma résidence, tu vois. Que le mec, je vois pas son visage, il a avec une vitre fumée, tu vois. Et je me dirige au bar. 30 minutes après, tu as eu un mec armé d'une Kalachnikov qui rentrait dans le bar. Il me croise et il me dit « Qu'est-ce que je te fais maintenant ? Je t'ai chopé. » J'étais devant le comptoir, il m'a mis une balle dans le dos. Et je me suis dit « Il ne faut pas que je tombe par terre, tu sais, sinon il va me finir. » Ça veut dire que j'ai eu un coup d'adrénaline. Je lance mon tabouret dessus. Et au moment où il esquive, je lui saute dessus, j'essaie de l'enlever la Kalachnikov de la main, tu sais. Et je me bats avec lui, tu sais. Et il va pour un moment, il prend le dessus sur moi pour me mettre une cartouche dans la tête, tu sais. Et je retourne directement le canon vers lui. Et il s'est tiré dessus avec sa propre arme, tu vois. Son assaillant est à l'agonie. Youssef aussi. Il titube, tente de fuir, mais s'écroule à la sortie du café. Là, le conducteur de la moto va chercher à l'achever.